Salut tout le monde, on est à l'événement IBU à la TEU, donc immersion brassicole unique. Et moi, j'ai déjà commencé en remplissant mon verre officiel de l'événement. Puis, en plus, j'ai un partner! Salut tout le monde, on est avec Jessica Provencher de la brasserie La Barberie. Tu fais aussi partie du comité organisateur de IBU ici maintenant. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais, pas trop stressé, ça commence à descendre? Ça descend, on s'est commencé, la session primaire est partie, tout le monde est en place, la bière est là, puis la bière est bonne, ça va être vraiment le fun. Excellent, puis explique-nous un petit peu c'est quoi IBU? IBU, c'est une immersion brassicole unique, donc c'est un événement qui n'est pas un festival, mais qui rassemble donc un maximum de brasseurs. On est c'est organisé par l'Association des microbrasseries du Québec, donc il y a 65 brasseries sur le site durant la fin de semaine, qui vous présentent, dans le fond, les meilleures bières, les produits de chez eux, de partout au Québec. Puis on invite les festivaliers. Tous ces gens-là qui ne sont pas des festivaliers, mais bon, on les invite à venir déguster, à venir découvrir le Québec en bière, à venir, c'est ça, partager un moment unique avec nous. Excellent. Puis c'est ça, c'est un événement, comme le nom dit, qui est assez unique. Tous les profits vont à l'Association des microbrasseurs du Québec. C'est merveilleux. Oui. En fait, on est vraiment, vraiment contents parce que les microbrasseries ont embarqué dans le projet. Il y en a plein qui viennent, en fait, qui s'impliquent, qui donnent des produits, qui donnent de la bière, mais qui, dans le fond, les profits ou ce qui va rester de cette organisation-là, c'est vraiment, ça revient vraiment à l'Association des microbrasseries. Donc, ils viennent pas pour leurs propres bénéfices, mais pour l'association. Puis on est vraiment, vraiment contents de ça. Excellent. Puis unique aussi veut dire différent. Donc, qu'est-ce qui est différent de l'IBU, de n'importe quel autre festival de bière qu'on peut trouver au Québec? Bien, premièrement, la présence des brasseurs. Ils sont identifiés, ils sont sur place. Le public peut vraiment entrer en contact avec eux. Que ce soit que des microbrasseries, que des micros du Québec aussi, ça arrive nulle part ailleurs dans les autres événements bière au Québec. On est à Montréal, on est dehors, c'est le seul festival de bière à l'extérieur. Les microbrasseries sont pas mises en évidence pour ce qu'elles sont elles-mêmes, mais on a vraiment proposé une offre de dégustation différente. Donc, on y va par thème, des IPA, des sûres qui sont toutes regroupées ensemble, des bières saison, des styles qui sont assez populaires, que dans le fond, le dégustateur peut venir puis se mettre à côté d'un bar, puis rester là toute la journée, mais goûter des bières de tous les micros du Québec ou à peu près. C'est ça, par région aussi, la dégustation se fait, dans le fond, les microbrasseries sont regroupées par région, donc toutes les bières de la Capitale-Nationale, de la Mauricie sont ensemble. Absolument, absolument. Ce qui nous amène aussi, nous ramène à la convivialité des brasseurs. Dans le fond, on veut montrer qu'on est du monde qui se tienne, qu'on est ensemble, puis que c'est ça, on a du fun ensemble, fait qu'on se regroupe, vraiment. Ouais, vraiment cool. Puis en plus, vous avez une super belle offre de bouffe. Vous êtes forcé pour offrir quelque chose qui était différent, encore une fois, puis vous dépassez pour les festivaliers. On va encore le mettre en guillemets, mais parle-moi un petit peu de l'offre de bouffe cette année. En fait, on a voulu offrir quelque chose de différent, tu l'as dit, mais on a un pit à feu, donc des grillades. On a un bistrot fraîcheur là, où on retrouve des trucs plus fruits de mer, des assiettes un peu plus de luxe, là, je dirais, mais à prix abordable, sophistiqué, voilà. On a aussi quelques food trucks sur le site qui donc complètent l'offre de Kitchen Collective, qui est un de nos partenaires. J'oublie quelque chose, on a une station friture, donc un frying station, qui est aussi un peu de luxe. Donc, c'est pas que de la bouffe, des frites ou des... En tout cas, ce qu'on retrouve dans les autres événements, qu'on est un peu tanné, c'est un peu sec en dessous d'un réchaud, là, on se garde vraiment avec la bouffe aussi. On fait des super bons pairings. Ah oui, oui, puis on a des drafts de fumoir ici, là, c'est merveilleux. Écoute, une dernière petite question. J'aimerais savoir ton coup de cœur de l'été, la bière qui t'a accroché, une nouveauté, quelque chose qui a accroché ton œil cet été. Bien, il y en a plusieurs sur le site aussi, des petites micros qu'on voit jamais nulle part. On peut parler d'Oval, évidemment, c'est la sensation bière cette année. Mais j'ai envie de nommer aussi une micro que j'apprécie beaucoup, la micro de Bellechasse, qui est une petite micro à Buckland. Ils pourraient ne pas venir, ils pourraient ne pas participer parce qu'ils sont petits et que probablement ils manquent beaucoup de bière, mais ils font des bières que personne ne fait au Québec, des affaires très légères en alcool, des lagers, des styles perdus, oubliés depuis longtemps. Fait qu'on est vraiment contents de les avoir ici. En tout cas, moi, c'est des amis, mais puis il y en a plein des micros qu'on est vraiment contents d'accueillir. Fait que
C'est ça. Bien. Excellent. Bien, on va faire le tour de toute façon. On va goûter à tout. J'exagère. Mais merci beaucoup, Jessica. Merci. Bye.